Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Starvo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série de la nouvelle entreprise forestière. Je tenais à vous remercier pour l'épisode numéro 1, les retours positifs que j'ai eu. Franchement je m'attendais vraiment pas à voir ça. Vous avez vraiment beaucoup de gens, vraiment vous avez tout ce qu'il fait. Franchement merci beaucoup, c'est vraiment hyper plaisir. Du coup aujourd'hui on est là pour l'épisode numéro 2, c'est parti, juste après l'intro. Donc les gars, j'espère que vous allez bien, je suis accompagné de Zero, salut à toi. Salut à toi, salut tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Eh bien ça va très bien, en tout cas merci beaucoup pour les retours positifs du premier épisode les gars, ça fait vraiment hyper plaisir. Du coup les gens, aujourd'hui, donc du coup j'ai avancé un petit peu le bâtiment comme vous m'avez dit. Je l'ai avancé un petit peu, il y en a qui m'ont dit de faire un petit chemin derrière pour placer des petits morceaux de bois. Je vous écouterai, on fera tout ça. Donc aujourd'hui du coup, franchement merci beaucoup vraiment pour tous vos commentaires, ça fait vraiment hyper plaisir, en tout cas merci beaucoup. Je m'attendais vraiment pas à voir ça, donc du coup voilà. Donc Zero, il est prêt, il est chaud, il va aller faucher tout le champ. Donc Zero, je lui ai vu qu'il sait pas quoi faire, je lui ai dit bah écoute allez va faucher, vu qu'on on essaie de faire un truc réaliste. Du coup bah écoute, fauche tout. Et puis ensuite on verra ce qu'on fera de cet arbre. De toute façon si je passe ce rouleau dessus, ben elle partira. Donc voilà. Donc si vous voyez ici à des endroits qu'il y a des trucs qui partent, ouais, il y a plus d'arbres à ces endroits. C'est tout simplement que j'ai placé des bâtiments que je les ai revendus pour voir ce que ça donnerait si je les plaçais là. Donc du coup voilà, du coup c'est parti, on va passer quelques petits bâtiments, on va avancer directement, c'est parti. Pour le TP, vous avez beaucoup kiffé, enfin vous êtes tous ok pour faire du TP aussi. Donc je pense qu'on va essayer de voir de faire deux catégories. Donc en gros peut-être que d'ici à là on ferait du bois et ici on mettra des petits hangars avec des petites palmiers mécanique, etc. Donc voilà. Et d'ailleurs Zero, tu peux aussi couper là-haut, si tu peux passer vers là-haut, je sais pas si tu peux. Ouais, je vois, ok, je vois. Ouais, essayer de faire ça et puis voilà. Donc du coup on va passer nos petits bâtiments. Faut qu'on voie un petit peu, faut qu'on arrange le terrain. Pourquoi j'ai plus que 266 000 euros? D'accord, si tu veux. Donc du coup on va placer donc tout ce qui est il y a ça, les conteneurs, on va les placer parce qu'on va essayer de faire une petite zone en gros pour les camions. On va essayer de faire des trucs comme ça si on y arrive. Moi j'aurais voulu placer, du coup quand on va commencer avec des gros bâtiments, on va pas attendre jusqu'à la fin de la série. Ouais, les palettes, enfin qu'on place des palettes, c'est pour être sympa aussi. On va commencer du coup, pareil il y a du bois, enfin il y a plein de trucs que je viens de voir, c'est quoi ça? Ok, je découvre aussi. Mais en fait là il y a pas grand chose, du coup on va revenir au début. Au début, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bâtiments du genre ça, voilà. Donc en gros, on va placer ça. Il y a le wool de log sale, je sais pas trop ce que c'est. C'est en gros, c'est pour le bois, mais c'est, ouais, c'est des bâtiments plus gros. On va commencer par un bâtiment petit pour le moment. Et on va le placer, j'avais pensé de le placer par là. En gros, on le place ici, les gars. Et puis après, on fait un petit chemin qui fait le tour et qui ressort de l'autre côté. Par exemple, ça pourrait être sympa. Parce que du coup, si je le fais... oula, on se calme, on va pas dans la forêt. Parce qu'au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le placer dans ce sens et après arranger le chemin. Du genre, on pourrait le placer peut-être comme ça. Et puis on arrange le chemin pour qu'il passe autour. Mais pff, franchement, je pense pas. Donc du coup, on va placer ce petit bâtiment ici. Donc attention, Zero, ça va spawn dans pas longtemps. Devant toi. On va essayer de pas faire de la merde. Ou au pire, est-ce qu'on, par hasard. Ouais, d'abord, je vais faire. Ok. Attends, bah du coup, je vais faire le détourage d'abord. Je vais faire le détourage avec le petit truc. On va essayer de faire un petit chemin bien sympathique. Donc, on essaie de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Pareil, dans les commentaires, dites-moi vraiment ce que vous voudriez avoir. Donc, déjà, on va changer peut-être un peu de texture. Hein. On va pas regretter la même texture. Et du coup, le bâtiment, tu l'as remis à sa place ou pas? Ouais, je l'ai avancé un petit peu. Donc, alors, qu'est-ce qu'on prendrait? Bah, justement, ouais, cette texture de. Pff, non, peut-être pas ça. Ça, c'est de la terre. Ça, c'est de la boue. La boue, ça va pas. Là c'est des trucs comme ça. Peut-être ça, je sais pas trop. Parce que toi du coup Zero, ah, il y a déjà des tas dedans. Il y a des tas. Il y a des tas de terre. Il y a déjà le bois. Ah non, c'est des tas. Ouais, mais c'est des trucs non utilisables, donc c'est juste pour décorer. Ouais, et on peut ouvrir les portes. On peut pas ouvrir les portes. Bon, ça c'est, faut pas s'attendre non plus à des trucs de fou. Mais du coup, est-ce que je mets. Et qu'est-ce que tu fais? Bah je te pousse parce que t'avances pas. Il est trop con. Moi, j'ai flemme de descendre et faire monter. Du coup, je vais mettre cette texture pour le début et puis dans les commentaires à vous de me dire. Ce que vous voudriez que je mette, au pire, une fois qu'on mette. Franchement, c'est pas. Je sais pas, on va voir ça. Alors, pour l'instant, je vais faire le tour comme ça. On verra si ça va cette texture. Sinon, je rajouterai des. On va voir, j'ai mes idées. Là, pareil, on fait un petit chemin comme ça. On va détourer tout ça. Comme ça. Et voilà. Attends, je prends là avant. Vas-y, fais ton truc. Fais ta vie. Et moi, du coup, ici, je rajouterai, vu que c'est une sorte de petite entrée, vous savez, la texture un petit peu des... Attends, mec, je suis là. Donc, c'est pas cette texture, c'est pas celle-là, Non, non, non. C'est... Ben, je vais trouver. Les plaques, voilà, c'est ces plaques-là, voilà. Donc, on va passer des plaques ici, tranquillement.
ça va faire joli. Après le problème c'est que j'ai peur que ce soit un peu trop près de la route. Donc au pire la route on va peut-être pas la faire droite. Ça pourrait d'ailleurs même être bien que la route soit pas droite. Ouais j'avoue Zero, peut-être la route on, tu vois ce que t'as labouré là. Je pense on va essayer de faire un truc pas droit. Je pense que ça pourrait être bien. Parce que si c'est une route tout droit qui va jusqu'au bout c'est un peu moche. Donc au pire la route on essaiera de voir. Je pense que la route faut la faire au dernier moment. En gros on garde un petit peu le... On place des bâtiments, on garde quand même la place de mettre la route mais on... sans la placer. Parce que là bon là elle est pas placée hein, c'est juste des petits décors. Et genre là on va placer pareil. Enfin est-ce qu'on place des plaques ici? Je sais pas du tout. Ouais, on peut on teste hein, à nous de voir après si ça passe. Du coup ça c'est une série, il faut être créatif. En tout cas si vous kiffez pensez à me laisser vraiment le petit pouce en l'air. Et je tenais encore une fois vraiment à vous remercier pour les 50 000 abonnés, c'est vraiment hyper plaisir les gars. C'est vraiment, je pense que je vais le dire pendant longtemps, mais c'est vraiment un cap les gars qui c'est vraiment important pour moi. Franchement les des années de vidéos, franchement des années de passion à tourner ça, enfin franchement c'est vraiment plaisir. Donc voilà. Alors du coup on va se mettre là. On fait le petit tour ici. Et puis là on va remplacer des petites palettes par exemple, des palettes, des Ah oui il faut que je vous montre aussi un autre truc les gars. Bon du coup bon ça pour le moment on va laisser un peu comme ça. Je vais arranger un petit peu. Au pire là j'arrangerai des trucs hors vidéo je pense aussi. Du coup ouais, pour la série La Nouvelle Ferme je pense, enfin franchement c'est beaucoup plus simple parce que je sais comment sont les fermes, je sais comment ça se passe. Mais le problème c'est que du coup pour ça moi je sais pas trop comment ça se passe les trucs forestiers. Je sais pas comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a de beau. Eh les gars ça s'incruste bien, regardez. Eh franchement on dirait que c'est déjà intégré. Franchement c'est beau. J'ai mis en Y, je veux te dire. Cocon. Qu'est-ce qu'il nous en fait. Bah là voilà, là ça peut être pas mal. Du coup, nickel. Donc ouais le chemin au pire. Attends, je vais essayer de monter. Allez monte. Attends, avec le mode créateur tout ça fait de la merde. Allez monte. En gros vous avez donc du coup l'entrée principale elle fait ça. Donc ça tournerait par là. Là on partirait du coup le chemin partirait peut-être comme ça. Pour laisser un petit peu de place. Après on reviendrait peut-être par là. Enfin voilà on va essayer de... Le problème c'est qu'il faudrait placer des bâtiments mais... Enfin voilà vu que c'est des gros bâtiments. Souvent il y a des gros bâtiments. Du genre qu'est-ce qu'on pourrait placer qui serait gros. Genre voilà on place direct hein, Ah oui pareil je voulais placer ça. Alors est-ce que je vais le retrouver. Normalement il est par là je crois. Non il est pas là. Bah en gros c'est pour placer des bois. Pour mettre du bois dessus en fait. Attendez on va essayer de trouver. C'est pas ça. Il y a des arbres. Et puis les arbres pour en mettre des arbres. Mais bon pas trop non plus hein, parce que c'est quand même un truc forestier. Donc il y a des arbres partout qu'on peut pas passer. C'est un peu débile. Ah voilà c'est ça. Ok donc ça chantier de bois. Je pense qu'on pourrait genre mettre 1, 2, 3, 4 avec un petit chemin. Je crois qu'on... Oh, mais je vais le faire direct. Je vais le faire direct. Zéro, attention, ça va spawn. Est-ce que ça va ou pas? Je sais pas du tout. C'est quoi? On fait ça pour le moment. Et puis si ça va pas, on changera. On changera, c'est le début après. On a pas ouais, ouais, voilà, c'est le début. Donc on en place deux pour le moment. On a le temps de changer quoi. Et puis même peut-être. Et ouais, mais il faut de la place quand même. Parce que... Alors attendez, au pire, on va le mettre dans l'autre sens. Mais j'ai peur que ça y ait pas de place. On va voir. On va voir ça, les gars. Genre là, on va essayer de le placer assez bien. Bon, je sais pas si c'est droit. Hein. Genre on va essayer de placer ça comme ça, aligné. Je sais pas si ça va, je sais pas du tout. Hein. Franchement les gars, je place ça un peu à l'aveugle. Et là, et justement après on pourra justement mettre vraiment du vrai bois dessus. Mais ce que j'y pense, c'est qu'on va arriver avec des gros trucs de chargement de bois. Donc faut quand même qu'on ait de la place pour manœuvrer. Et c'est ça que j'ai peur, qu'on ait pas trop la place de manœuvrer. Donc on va voir ça. Parce que pour le moment, bah écoutez les gars, franchement c'est beau. Bah du coup ouais, je vais vendre tout parce qu'il faudra qu'on mette la bonne texture au sol. Hein, parce que pour moi c'est pas la bonne texture. Mais dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ça. Si ça va, c'est pour pas mettre du bois dessus. Je sais pas si tu vois. En gros, tu poses des rondins, des gros rondins de bois dessus. Ah oui, je vois. Pour les stocker. Bon, je sais pas si ça va. À vous de me dire dans les commentaires, les gars, si ça va. Si vous préférez qu'on les place dans un autre sens. Je sais pas du tout. Je sais pas comment ça se passe. Peut-être que je regarde des photos, vidéos de ça. Parce que, ouais, c'est vrai, peut-être que je regarde des petites vidéos de ça. En stage ? En stage. Ah ouais, voilà, par exemple, en stage avec Paul. par exemple. Donc du coup là c'est bon, on a des petits buissons, on a quoi d'autre et là aussi il faut qu'on mette aussi par là des petits des décorations de partout mais comme je sais pas, vraiment que je me renseigne sur comment c'est les... Oh il y a un écho. Ok les gars, je viens de reprendre la vidéo, du coup j'ai un petit peu regardé sur Google Images et tout, comment ça se passait les vraies séries. Donc du coup là, je savais pas mais le père Aziro du coup travaille dans un truc de bois c'est ça? Ouais.
Donc peut-être qu'il pourrait nous aider. Bon du coup j'en ai vendu quelques-unes là, j'en ai vendu 2 ou 3 parce que ça m'a l'air un peu dégueulasse quand même. Donc mais du coup ce qu'il faudrait faire c'est qu'il faudrait que genre en fait mettre un gros bâtiment de stockage de bois, des gros bah, des palettes de bois en fait. Donc bah du coup c'est ce qu'on va faire. Pour le moment j'ai ça, c'est un bord de stockage. Enfin j'ai plein de trucs genre là. Là par exemple je sais bon pour... ah non il y a pas les bottes dedans quand même. Ah ouais d'accord en fait il nous a mis le truc mais il y a des bottes dedans je crois. Donc ça ne sert à rien. Bon c'est pas grave, faudra les enlever, bon c'est pas trop grave. En gros faut mettre un bâtiment, on sait qu'on mettra plein de palettes de bois, mais en gros bâtiment assez, enfin juste un toit en fait. Donc qu'est-ce qu'on a de beau? On avait des trucs comme ça ou pas? Franchement je sais même pas si on en a des gros bâtiments comme ça. Je crois qu'on en a pas. Ouais, on n'a pas de bâtiment je crois plaçable, c'est qu'on pourrait stocker juste ça. Donc mais du coup... Oh t'as des abeilles là. Attends, je cherche. Ils sont trop bien faits les abeilles. Vas-y attends, je vais voir. Bah du coup on va placer le truc que je voulais placer. Donc on va placer ça les gars. On va le placer par des abeilles, où c'est qu'il y a des abeilles? Dans le truc? Donc je suis. Ok, genre là pareil, genre un truc comme ça. Voilà, pas tout le temps faire dans le même sens. Donc par exemple là on pourrait le placer genre dans ce sens. Donc je l'achète. Je détouris le chemin et ensuite je... Mais vraiment dans les commentaires, dites-moi vraiment ce que vous pensez. Est-ce que du coup... Si vous avez des idées de ce bâtiment, dites-nous. Envoyez-nous les liens sur Facebook. Parce que moi, je réponds sur Facebook. Oh. Envoyez-nous les liens. Ah non, c'est bon, j'ai regardé. Je crois que je l'avais placé, il n'y avait rien. Non, mais c'est bon. Voilà, donnez vos idées si vous connaissez un peu. Puis envoyez vos bâtiments, si vous non, pour les installer. Et puis, voilà. Ouais, par exemple. Virus, pas trop de bugs, voilà. Pas trop de virus. Par exemple, voilà. Donc, déjà, ici, on va mettre un petit truc. J'ai envie de mettre de la terre. Du coup, on va mettre un peu de terre. On va faire le tour ici. Bon, franchement les gars, j'ai pas vraiment beaucoup d'idées pour le moment. Donc je fais un petit peu comme ça. Et puis avec le temps, on arrangera. Vous avez vu les anciennes séries comment c'était. Donc voilà les gars. Donc pour le moment, je fais ça en mode dégueulasse. Mais du coup, ici c'est un petit... Non, en vrai, c'est peut-être dégueulasse bâtiment. On verra ça. On verra ça de toute façon les gars. Donc bah du coup, la vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que ça va être un petit peu plus court d'habitude. Mais bon, je préfère franchement faire un truc propre et prendre mon temps. Que toujours, enfin faire 20 minutes de vidéo c'est qu'on fait de la merde, donc voilà. Déjà ce bâtiment, on a déjà un bâtiment de stockage de bois en plus qui tourne, ok, ça fonctionne. On a un bâtiment ici, là on fera faire un petit chemin par exemple, mais en fait j'ai l'impression que le terrain est pas assez grand, en fait le terrain est trop petit, donc au pire on essaiera de déborder vers au pire la map tu peux pas la mettre un peu plus plate, mais au pire je vais essayer d'en faire, enfin au pire cette zone là, toute cette zone je vais essayer de tout raser, ça c'est à côté. Tu peux juste enlever les barrières là, les barrières. Et tu t'enlèves genre les... Ah ouais. En vrai, je pourrais faire ça, ouais. On verra ça, tout dépend de s'il y a la place ou pas. Mais sinon, je ferai ça, les gars, il n'y a pas de souci. Bah du coup, ici, ça, c'est bon. Les gars, il faudrait que vous me dites dans les commentaires ce qu'on mettrait par... toutes vos idées, les gars, dites-les-moi. En commentaire, vous me dites ce qu'on mettrait ici. Puis bah, là, c'est dégueulasse, je vais mettre un bâtiment, c'est dégueulasse. Mais on va le mettre... Au pire, je l'arrangerai. Pareil, ici, on mettra des petites palettes, ça, on pourra le faire même... Est-ce qu'on peut le faire maintenant, d'ailleurs? On va essayer de faire ça pour la fin de la vidéo. On va essayer de placer des palettes, je suis désolé parce que c'est vrai qu'au début c'est long à démarrer. Et dès qu'on a les idées c'est parti, mais c'est au début c'est un petit peu long. Donc déjà, petite palette plaçable. Il y a des buis, il faut qu'on passe des buis, ça peut être sympa. Voilà, ça. Palette ou palette. Je dirais ces palettes là. On va essayer d'en mettre pour là. On va les tourner. Le problème c'est qu'elles sont en train de voler. Elle vole un peu. Ouais, elle vole un petit peu. Hop. Comme ça. Bon, bah, ça fait... Ça fait la feuille. Non, en vrai, ça va. C'est peut-être dégueulasse, mais bon. Il n'y a que ça. Voilà. Et... Voilà, et si on pouvait les empiler, ça serait bien. Mais en gros, voilà, peut-être qu'ici, on mettra un petit truc de palette, et que ça... On verra ça. Bref les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo, on va se laisser là. Pensez à me laisser un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Encore une fois, merci pour les retours positifs du premier épisode. Celui-là on a un petit peu fait du caca, hein, on va se le dire. Mais bon, on va dire que le prochain épisode sera beaucoup mieux parce que j'aurai plus d'idées, mais surtout que vous saurez des choses à dire dans les commentaires. Donc voilà. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Stereo Zero. Encore une fois, merci d'avoir suivi. Enfin voilà, pensez à me laisser un pouce bleu, tout ce qu'il faut. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao les gars.